Bonjour à mes sœurs africaines, une petite vidéo rapide pour faire une précision. Généralement, quand je fais les publications relatives à notre peau, je parle des femmes noires, simplement parce que on a remarqué que celles qui sont complexées, ce sont les femmes qui sont plus foncées, qui veulent changer la couleur de leur peau pour ressembler à celles qui sont moins foncées. Mais qu'on soit clair, qu'on soit moins foncé que les autres, on est une femme noire quand même. Nous sommes dans le même sac. Mais je ne crois pas que ça existe des femmes qui sont claires, sont allées acheter des produits pour devenir noires, pour devenir plus foncées, aller se piquer des produits dont on ne connaît pas les effets secondaires, directement dans le mettre directement dans le sang pour devenir plus noire. Je ne pense pas que ça existe. Mais c'est le contraire qu'on observe, parce qu'il y a plusieurs qui sont complexées parce qu'elles sont plus foncées. Voilà pourquoi l'accent doit être mis sur le fait de ne pas se décaper la peau. Sinon, la femme noire, elle reste la femme noire. Elle est belle quand même. Qu'elle soit plus foncée, qu'elle soit plus claire, elle est belle parce qu'elle est femme noire, parce qu'elle a l'ADN de la femme noire. Mais c'est pour amener celles qui sont complexées à avoir moins de complexes, à arrêter de penser qu'elles ne sont pas belles ni désirables parce qu'elles sont plus foncées que les autres. Et amener les hommes aussi à prendre la femme telle qu'elle est, à regarder si la femme correspond à ses critères et la prendre, mais ne pas penser que c'est la femme qui est la plus claire, qui est la plus belle. Parce qu'on a déjà vu des reportages où certains hommes ont dit qu'ils préfèrent être avec une femme claire. Et c'est rester dans la mentalité. La femme noire, c'est la femme noire. Qu'elle soit plus foncée, qu'elle soit plus claire, peu importe. Alors, ce combat-là, comment on appelle ça, cette campagne, c'est pour amener les femmes qui sont foncées à ne pas chercher à se décaper la peau parce que les conséquences sont irréversibles. Les conséquences sont irréversibles. On ne peut plus revenir en arrière. Quand tu as mis des produits dans ton sang, quand tu as tué ton épiderme, c'est difficile de revenir. De revenir à une santé bonne et celle que tu as reçue quand tu es né. Alors, je vous fais un gros bisou. Je vous aime toutes. Que vous soyez plus claires, que vous soyez plus foncées. L'essentiel est que vous assumiez et que vous acceptez tel que vous êtes. Gros bisous. Bye bye.